Ok, présent, je suis là aussi, j'arrive derrière. Voilà, je démarre juste de la gare. Ok, je vois une antenne là devant moi, là des 40, donc c'est bon. Petit Vénichou, t'es où là? Je suis derrière Crocodile Dundee. Ok, d'accord. Ah oui, Eric, il a quoi comme voiture? Merde, j'ai zappé, je suis parti tout droit, désolé, je suis dans la poste. Qu'est-ce qui est. Ben, il est où? Il est parti où? Il est parti où? Il est parti tout droit. Daniel? Oui, René. Mais c'est toi qui es parti là sur la gare? Attends, je comprends plus là. Non, moi je suis devant là, hein. Je suis garé sur la droite, là, sur la ligne droite, là. Je suis garé le premier. Ok, non, parce que je vois une voiture avec une antenne devant moi. C'est une C3, là, facile à l'examen. D'accord, ok. Écoute, je sais pas, est-ce qu'on a tout le monde là? J'en sais rien. On sait même pas où il est. Non, parce que là, je sais pas du tout où tu es. Là, je suis paumé là sur la gare. Ah oui, moi je suis. Je suis face comment te dire à la sortie du garage là-bas. Hein. Ouais, mais là, on connaît pas du tout là ici. Là, on est complètement largué là. Bon, alors attends, récapitulons. Quand, là, en sortant de Radio Broc, ok, là on a fait tout droit, on est tombé sur le rond-point de la gare. Rond-point de la gare, t'as pris à droite, t'as pris à gauche, t'as pris en face? En face, c'est la gare. Non, rond-point à droite, direction Pierrotan. Ok, d'accord, bon voilà, là je suis dans le bon sens. Comme quoi, toi, un bon radio-guidage, il n'y a rien de tel. Voilà, donc je ne sais pas si tout le monde suit toujours. Je vais essayer d'avoir Eric à savoir où est-ce qu'il est. S'il a, s'il a pris la route ou pas, attends, parce que c'est pas très évident. Donc quand on va arriver au rond-point de Peugeot, Citroën, on prend à gauche. Voilà, on prend à gauche. Ouais, j'aperçois les voitures devant. J'ai entendu quelqu'un gazouiller là sur le canal 8 PMR, là tout à l'heure. Ok, je te vois Daniel, je t'ai vu tourner. À gauche. Bon, je me garde sur la droite là, je vais m'avancer un maximum. Sur la droite là pour que tout le monde voie. Ouais, c'est bien ça. Ok, voilà. Et du côté PMR, là je sais pas, on a quelqu'un à récupérer je crois de ce côté là. Oui, au niveau PMR, est-ce que tout le monde aussi? Affirmatif, bon Fredo. Au niveau PMR, est-ce que du monde qui est à l'écoute? Affirmatif, bon Fredo. Oui, il y a Fredo qui a répondu. L'écoute la PMR et ça va pas être évident de jongler avec les deux micros. Voilà, avec les deux postes. Ok, donc là on va tout droit, hein, les copains, on va toujours tout droit. Voilà, alors j'espère que tout le monde a suivi. J'espère que tout le monde a suivi, j'espère qu'Eric aussi et tout ça. Je vais essayer de les appeler. Ok, bon, c'est vrai que là, tenir le micro de la CB, c'est quand même nettement plus facile, hein. Putain la vache. Là, j'ai, pendant qu'on était à l'arrêt, là, j'ai fait une tentative là, avec le PMR, je l'ai reposé aussitôt. Putain, mais vous avez les appuis, les stations, ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je dis, vous faites péter les appuis, ou quoi? Je comprends rien, quoi, c'est tout écrasé.
Ok, c'est ma grande gueule qu'il faut que je baisse le volume. Non, non, là je suis à quoi? Attends, je regarde. Oui, c'est bien ça, hein, je suis au minimum, je suis à 4 watts là. Ah bah c'est pareil Eric, là je suis à 4 watts. Hein. Ah, je suis trop fou, ou alors c'est mon antenne qui amplifie. Ah, je déconne. Ah, là tu arrives à carton là Eric, hein. Ah, c'est-à-dire, je te dis pas, j'ai pas l'habitude de se tripouiller. Mais vous donc, le RFG, à ce poste, je sais même pas où il est, mais je m'en fous, je touche ou pas. Putain, mais ça, il marche bien, hein. Là, c'est vrai que là, c'est nickel, hein. Et oui, oui, là, je viens de vérifier, je suis bien en 4 watts. Hein. Eric, tu vois toutes les antennes, c'est bon, t'arrives à suivre? Ouais, je suis les antennes, voilà, le reste, c'est pas grave. Putain, avec le nombre d'antennes qu'il y a, putain, ça fait un sillage, là, dans le ciel. J'aurais dû foutre le TMR, je suis con moi. Bah, c'est pas grave, dès le moment où tu as le 27 mégas, un moyen de communication, après tu as mon téléphone, donc si tu sens que ça va plus, tu lances l'appel. Ah, c'est de la double PMR, la CB c'est mieux. Putain, je suis étonné, il n'y a pas un pet de QRM ici. J'ai cru un instant que mon poste avait un problème. T'as vu ce souffle plat là? C'est impressionnant, dis donc. Ah oui, non mais sans déconner, j'ai cru un instant que tu vois, mon poste était resté collé en émission par exemple. Et rien, c'est le plat complet là ici. Hein. Oh la vache. Au niveau des X, je suis pas sûr du coup là dans le coin. Hein. Je crois que ça doit être aussi plat aussi. Hein. Dans le rond-point, on va en face, hein. Ok, chef, bien, chef. Oui, dans le rond-point, tu vas en face. Oui, chef. On va rentrer dans le petit bout de tiroton, faites attention, il y a des dodanes. Oui, faites attention, il y a des dodanes, là, dans le petit bout de tiroton, hein. Alors, ça va être full clos parce que là, comme moi, là, c'est en train de tourner là, de mon côté. Bon, je récepte là, du côté CB, je récepte du côté PMR. Tout le monde se retrouve sur le même truc. Ça va être génial. Là. Ok, je vais appeler le restaurant, le bon à manger là, pour lui dire qu'on est en route. Hein. Ok, ouais, tu lui dis là qu'on est à peu près dans les 250-300 voitures. J'ai passé le feu rouge, moi, non? Ou c'est bon? Non, non, il est vert. C'est toi qui fout que t'arrêtes de boire du rouge. Ah, parce que j'ai vu le feu rouge et comme j'étais avancé, je regardais mon téléphone, j'ai pas fait gaffe. Heureusement que t'as le Bluetooth avec le truc, avec le kit main libre. Ah oui, ça c'est vachement pratique. Hein. Bon alors, le radio-guidage, là, il dit plus rien, là. La gourde qui passe seule. Ah non, c'est pas ça, c'est le radio-guidage. Ah, je vois les antennes qui tournent à droite. Je suppose que les voitures tournent avec. Ok, Rémi, là, excusez-moi, j'étais au téléphone avec Ludo. On va essayer d'y aller tranquillement, c'est pas le moment d'aller. Ah, je suis trois coups. Ok, bon, Daniel, là, tu nous fais le coup du radio-guidage à la bordelaise, en disant tout droit. Ah, d'accord, bon, il y en a un qui est en train de taper la sieste. Daniel qui est... je sais pas ce qu'il fait, on sait pas ce qu'il fait. Il est en train de nous préparer un coup là, ça va pas être triste. C'est voilà, t'es en train de nous raconter, de nous préparer une blagounette à sortir. Le souci c'est que le micro-guerre, RF guerre à ce poste, je sais pas où il est, c'est pour ça dur là. Ça t'arrive. Bah si ça t'arrive trop fort, c'est qu'il est à fond. C'est
c'est-à-dire, je module tellement souvent, ça veut dire, tu dois le lire sur Facebook, je suis tellement, on m'appelle Rico du monde des grandes oreilles, j'écoute tout le temps, quoi. Je fais beaucoup plus d'écoute que le module, c'est pour ça. Non, tu verras, là, ça. En tout cas, en émission, ça marche vraiment bien. Hein. Là, oui, c'est sûr. Hein. Il y a une bonne modulation, bien claire. En plus, elle n'est pas criarde du tout. Et ça passe bien. Bon, ok, il y a Angèle qui nous attend. Enfin, pas devant le restaurant, mais il est déjà à l'apéro. Ah, si. Voilà. On reprend, on va toujours en face, les copains. Hein. Le filou, d'accord. Eh bien, tiens, j'ai reconnu quelque chose là. Le filou, ok, d'accord. Eh bien, t'es, il est le premier arrivé à l'apéro. Comment on dit, le premier arrivé paye, c'est ça? Ah, je crois, oui. Ok, alors je ralentis un peu. Je vois tout. Ouais, ok, ça va, ça roule. Ok, j'entendais là les PMR qui parlent aussi, Hachi. Ok, voilà, donc tranquillement. Oui, ben c'est ça. Oui, t'as reconnu les deux véhicules, Rémi? Oui, affirmatif, on y va, et c'est tout droit. Oui, j'ai entendu. Je sais pas qui c'est qui parle, mais c'est, ça fait bon info, hein. Bon, Michou, est-ce que quelqu'un m'entend? Ben c'est trop fort. Ok, je reprends, oui, je passe sur l'autre, non, sur la série. Je prends ici le poste, depuis qu'il a été révisé, je ne l'avais pas mis en route, donc c'est pour ça. Putain, si ça passe. Ok, tu suis toujours, ouais, est-ce que c'est bon? Oui, moi je suis. Ah, ok, d'accord, bon écoute, si t'as un souci, t'appelles. Hein. Je connais que les relais routiers vers ici. Cette cacophonie là dans le push, ça module du côté PMR, ça module du côté CB. Heureusement que j'ai pas l'autoradio d'allumer derrière. Je sais pas, j'ai un problème moi, parce que mon PMR, c'est le mobile, je me l'entends comme si vous étiez sourd. Et toi, sur la CB, tout le monde s'entend, sur le PMR, personne s'entend. Ok, le choix est vite fait. Ah, il y a des maisons, je crois qu'il y a de la vie par là. Bon, rond-point, on va en face, et attention, parce que là, c'est limité à 50, et ils y sont souvent. C'est pas parce qu'il pleut qu'ils n'y sont pas, hein. Ok, donc là, vu ce qu'on vient de traverser, là, on était en plein bouche. Voilà, mais là, on rentre dans la zone critique des 50, là, hein. 50, quand tu dis 50, tu parles de l'âge. C'est la gendarmerie, mais non. Oui, 50 passé, même. C'est sympa par ici, là, au niveau des maisons. Ouais, ça fait un petit peu arcachonné. Ouais, c'est vrai. On voit que par rapport à Joie, moi, de mon côté, moi, là-bas, là, perdu en plein bouche, Hachi, là, ici, c'est un petit air océan. Bon, après, c'est vrai que... au milieu des pins, là c'est... Quand on va arriver là-bas, vous allez voir, on va être au milieu des pins. Bon, hey, je suis en train de... dommage qu'il y en a qui n'est pas là. On dit toujours que c'est le coordonné le plus macho aussi. Christophe, SAV Radio 33, qu'est-ce qu'il a comme radio dans sa voiture? Eh bien, il n'a rien. Ah, je confirme, il est obligé de suivre le mouvement. Il va se faire charrier en arrivant. Lui qui est censé justement avoir tout un équipement et tout. Aïe aïe aïe. Bon, rond-point, on va aller en face, les copains. Oh yeah. J'espère qu'il n'y en a pas plusieurs en face. Et les copains, bien sûr. Ça va tout droit. Bon, pour le coup, j'ai mis le squatch là parce que ça commence à me casser un peu les oreilles là ici. Attends, je ralentis parce que je vois que le convoi ne suit plus. Et oui, là, voilà, avec les pushes qui arrivent, voilà, je n'aperçois derrière moi là qui ne sont pas encore passés là au niveau du rond-point. Ouais, donc dans le rond-point, on va en face, hein.
Voilà, je suis passé en mode silence. Ah, chi. J'ai mis le squash, comme ça au moins là. Là, c'est, là je suis sûr de reposer les oreilles. Allez, bien, Méris, c'est bon? Ouais, affirmatif là pour Fredo. Ok, c'est bon, parce que là, si tu vois, j'ai pris le portable, parce que sinon, avec le mobile, là, je sais pas, j'ai posé là vos entendre lointain. Ah, c'est curieux. Ah, mais ça suit toujours derrière, hein. C'est impeccable. Ok, tu me prenais si jamais il y avait un bruit ou un truc de fait. Alors, pour l'instant, on est bon, ouais, je suis au milieu, donc je vois la fin, donc logiquement, on est bon. Ok, merci, tu préviens. Ouais, c'est bon, je vous j'ai trois micros là, j'ai le Takivolkie, j'ai le mobile PMR et le chef, je sais plus où j'en suis avec tout ça. On voit qui c'est les chefs, hein. Putain la vache. J'ai deux antennes et les trois postes. Mais t'as cherché l'erreur. Non, moi j'ai le pocket 446, là, il est posé là, sur sur la boîte à gants. La CB, ok, j'ai le micro dans les mains. Non, c'est bon, moi ça me suffit largement. Et en plus, on n'a pas choisi le bonjour. Hein. Cette année, là, c'est malheureusement. Hein. Eh bien, justement, tiens, c'est ce que me disait Christophe tout à l'heure. Il me dit comme ça, depuis le nombre d'années qu'il vient, c'est la première fois où il y a la pluie comme ça, là, ce jour-ci. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Il y a longtemps que je n'avais pas vu la pluie. Enfin, ou alors il pleuvait et puis après ça se dégageait. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que malheureusement. Martignat sur Gérald, 3 minutes d'arrêt. Non, c'est pas ça. Bon, là, on est à 3 km là. Hein. Boulevard des Allongés, votre gauche. Oh. Pas tarder de passer devant chez notre ami Angèle là, qui est à l'arrêt là, en train de boire son coup, je lui ai dit que je passerai un petit coup de klaxon. Ok, alors voyons ça. Non, c'est pas ici qu'il est, c'est plus loin alors. Ah, juste après la poste là, à droite. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai la poste devant moi. Pardon. On, à gauche là, hein. On tourne à gauche. Okay. Oui, mais bon, d'abord au rond-point en face. Voilà, à la poste, on prend en face. Voilà, ok, je vois les antennes derrière, c'est bon, ça suit. Et il est où Angèle? Mais Angèle, il doit être par là parce que j'ai dit quand j'arrivais là, au niveau de la boulangerie et tout ça que je klaxonnerais, donc il a dû entendre le coup de klaxon. Ok, je vais m'en mêler un petit peu, Hachi. Je pense qu'il a dû nous entendre. Je crois qu'il nous a entendu. J'en suis pas sûr, j'ai un doute. Ah, je sais pas, je sais plus s'il était équipé radio, il a dit PMR ou HF, je sais plus. Je sais plus non plus, non, je pense pas qu'il soit équipé mobile. Et ça, c'est bien dommage. Bon, attention, Dodane, là.
petite visite guidée des lieux, Daniel. On n'est pas très loin de quoi exactement, de connu là par ici? Il n'y a pas un camp militaire de ce côté-là, Daniel? Bon, mais il y a le président qui est prêt, qui est déjà là-bas, tu vois, qui nous attend. Bon, c'est OK pour encore pour tout le monde? Ma foi, de mon côté, oui. Oui. Ok, ouais, donc le président de Lebon est déjà rendu là-bas. Ok. Daniel, tu nous as pas fait de boulettes encore aujourd'hui. Tu nous prépares quoi? Ah, la boulette, c'est bon, je l'ai déjà là, c'est bon. Ah, chie trois coups. Non, je dis ça parce que j'étais en train de me rappeler une fois, en allant en Radio Broc, tu avais pris le souterrain avec l'antenne dessus. Et ah ben, ça ne l'a pas fait du tout. Il y a quelque chose qui s'est coupé en deux. Le pont ou l'antenne? Devinez. Ça, c'est même pas l'antenne, c'est le socle de l'antenne. Ah, en plus, oui, l'embase, oui. Ah, chie. Bon, allez, dans 50 mètres, on est arrivé, les copains. Putain, oui, on est en plein bouche là ici. Ok, on arrive à gauche, il n'y a pas de... D'accord, ok. Daniel, j'ai la caméra qui est en route. Tu veux qu'à partir de là je la coupe ou je peux continuer? Ah oui, merde, il est descendu.
à Beatles Music. Musique.fr.